Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un épisode de podcast lecture avec 4 avis lecture, 4 livres très différents, peut-être pas. Il y en a peut-être deux qui peuvent se rejoindre, en plus ils sont de la même maison d'édition. Mais bon, mis à part ces deux-là qui peuvent être peut-être proches, ils sont différents des deux autres. Il y en a un qui peut être un peu atypique, on va dire, parmi cette sélection quand même, parce qu'on va être sur 3 livres émouvants, voilà, 3... Alors, il y a le prix du livre romantique, il y a une très belle relation familiale et en même temps très émouvante, enfin, et on a un policier thriller un peu roman noir en plus, voilà. Rien à voir, mais en tout cas, ce sont 4 livres que j'ai beaucoup, beaucoup aimés, que j'ai dévorés, Et voilà, c'est peut-être là le point commun de ces 4 livres, s'il faut en trouver un, et il faut en trouver un, parce qu'il faut bien que je trouve un titre à ma vidéo. Donc, 4 livres que j'ai dévorés, voilà. Bon, eh bien écoutez, maintenant que j'ai fait ce petit teasing, je vais vous montrer ça. Alors, les 4 livres dont je vais vous parler, ils sont là, focus. Hop. Alors, on a La faiseuse d'étoiles. De Mélissa d'Acosta. Voilà, voilà, voilà. Nous avons Deux gouttes d'eau de Jacques Expert, également chez Livre de Poche. Ah oui, bah du coup, ça fait 2 livres chez Livre de Poche et 2 livres chez Charleston. Alors, le premier, L'indifférence de l'eau qui dort de Valentine Stergan, et le second, Ceux qui voulaient voir la mer de Clarisse Sabard. Voilà. Beau programme, n'est-ce pas? Bon, je vais réarranger un peu l'ordre de ces livres et je vous présente ça tout de suite. Je commence avec le livre de Clarisse Sabard, Ceux qui voulaient voir la mer, chez Charleston. C'est un Clarisse Sabard assez court. Hein. Je ne suis pas habituée justement à lire des tout petits livres de Clarisse Sabard. Je ne suis pas encore à jour dans ces livres. Il m'en manque. Alors combien, je ne saurais pas vous dire comme ça, mais il y en a plusieurs que je n'ai pas lus. Alors j'ai lu toutes ces comédies romantiques de Noël. J'ai lu, alors du coup, les 2 livres sortis l'année dernière. Donc il y avait une comédie romantique de Noël. J'étais lectrice Charleston. J'avais lu aussi La femme au manteau violet. J'ai lu Les lettres de Rose. J'ai lu celui de cette année qui était excellent. Qu'est-ce qui était bien? Et en même temps, je crois qu'on pourrait dire ça de tous ces livres. Et en fait, je crois que c'est tout. Hein. Je crois que c'est tout. Oui, ben, il me manque notamment La plage de la mariée, Le jardin de l'oubli, qui sont dans ma palle juste en face. Voilà. Et en fait, à chaque fois que je referme un livre de Clarisse Sabard, je me demande pourquoi je ne suis pas encore à jour. Parce que j'aime tellement ce qu'elle écrit. Et je vais pas dire que j'oublie d'une fois sur l'autre, enfin je sais que c'est une autrice que j'apprécie beaucoup, mais j'ai l'impression à chaque fois de la redécouvrir et de redécouvrir ce sentiment, cette sensation vraiment, voilà, j'adore. Et encore une fois, enfin, je me demande si ce que je vais vous dire, c'est pas un peu un copier-coller de ce que j'ai pu vous dire la dernière fois et celle d'avant, etc. On est sur une double temporalité qui est extrêmement bien dosée. C'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué dans son dernier livre, dans Un air d'éternité, qui m'a assez marqué en fait. Ce qui fait que là, quand j'ai lu celui-ci, je me suis dit, bah, je vais voir la double temporalité, si ça me paraît aussi bien dosé. Enfin, et oui, enfin, pour moi, une temporalité bien dosée, c'est la définition totalement subjective. C'est quand je trouve que c'est le moment de passer au présent, ou c'est le moment de passer au passé, ou juste avant que ce moment arrive quelque part. Donc, avant que je ressente un peu une sorte de lassitude ou de hâte, hop, on change de temporalité. Et voilà, enfin moi, j'ai trouvé vraiment que c'était extrêmement bien dosé, comme ce dont j'avais besoin. Alors, je suis pas sûre que tout le monde ait les mêmes besoins, mais moi, ça correspond totalement à mes besoins. Donc voilà, donc c'est pour ça aussi que j'apprécie Clarisse Sabard. Elle répond à mes besoins de temporalité, de durée dans chaque temporalité. C'est un livre court, comme je le disais, beaucoup plus court que les livres que j'ai pu lire d'elle. Enfin, en tout cas, je pense notamment au dernier. Il fait 300 et quelques pages. Je l'ai totalement dévoré. Il était vraiment très, très prenant. Et en plus de ça, il est également surprenant. En fait, dans cette histoire, on suit Lilou. Lilou qui a quitté Paris pour Nice avec son fils qui s'appelle Marius. Elle arrive donc dans le sud et elle va rencontrer Aurore.
Aurore, c'est une vieille dame. Alors, je vous redis globalement la quatrième de couverture, hein, mais c'est une vieille dame qui va raconter un peu des petits bouts de sa vie à Lilou. Et Lilou va être assez captivée par l'histoire d'Aurore. Aurore va lui parler notamment de son premier amour qui s'appelle Albert, et en fait elle l'attend régulièrement sur un banc. Elle attend que Albert revienne de New York, et donc bah, Lilou comprend que ça cache quelque chose dans le passé d'Aurore, etc. Puis elle va vouloir en savoir davantage, et alors non pas par curiosité mal placée, mais plutôt pour aider cette vieille dame. Et voilà, petit à petit on va connaître ce qui s'est passé en fait. On va découvrir par une double temporalité, la fameuse double temporalité, eh bien le lien entre Aurore et Albert. Et du coup, on va arriver petit à petit à pourquoi Aurore attend justement que Albert revienne de New York, etc. Le dénouement, je ne m'y attendais pas du tout. Et j'ai apprécié ce dénouement, parce que j'aime bien quand c'est inattendu. Donc voilà, j'en dis pas plus, je veux pas spoiler, mais vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'ai aussi beaucoup aimé les parties dans le passé. Aurore a vécu des choses extrêmement compliquées. On va repartir dans la Seconde Guerre mondiale avec... Bah avec voilà tout ce qu'on peut avoir de très difficile. Et en fait, le lien entre Aurore et Albert, il est très fort parce que je peux pas vous dire. Mais voilà, Aurore a vécu des choses mais tellement terribles. Et du coup, elle a connu Albert grâce à la bienveillance de la famille d'Albert. Voilà, donc ça c'était très prenant. Après, bon, on va voir que la famille d'Albert, très bienveillante et tout, a eu quand même des réactions, alors certainement d'époque, mais bon, qui peuvent un peu aussi surprendre, voilà, pour pas dire autre chose. Mais après, j'aurais vraiment peur de trop vous spoiler, mais ça, voilà, c'est assez dingue. Et donc on est pris par tout ça. Et donc bah, cette Aurore qu'on découvre vieille dame dans le présent, on la découvre plus jeune, on la découvre dans un contexte extrêmement compliqué, avec des drames hein, qu'elle a pu vivre. Et on s'attache énormément à elle. Et voilà, on va après connaître eh bien toute sa vie, et puis en savoir plus sur le fameux Albert. J'ai aussi beaucoup aimé Lilou, parce que même si là je vous parle de la partie passée, quand il y a comme ça une double temporalité, l'histoire elle est quand même portée souvent par un personnage dans le présent qui va partir à la recherche d'eux, qui va se renseigner, qui oui, va vouloir découvrir certains secrets de famille, alors soit de sa propre famille, soit de la famille de quelqu'un d'autre en l'occurrence. Et donc tout est porté par ce personnage en fait quelque part. Et voilà, moi c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. Avec, enfin, je me suis beaucoup attachée à elle. J'ai bien aimé parce qu'il y avait des moments un peu plus légers, alors que l'histoire peut paraître justement très émouvante, etc. Mais il y avait des moments un peu plus légers, ce qui permettait de bien doser aussi les émotions. On pourrait résumer ça comme ça. Clarisse Sabar sait bien tout doser dans ses livres. Donc ouais, moi j'ai vraiment adoré, j'ai adoré ce livre. Et comme je vous dis, il faut que j'en découvre d'autres. Je suis pas sûre que ce soit mon préféré, parce que j'ai tellement aimé le dernier. J'ai tellement, tellement aimé le dernier. Et puis, il n'y a pas que ça, parce que il y a aussi l'avant-avant-dernier, Le souffle des rêves, qui a un fort lien avec La femme au manteau violet. Et ça, c'est excellent d'avoir fait ça. Enfin, voilà, Enfin bon, bref, c'est une autrice que j'apprécie. C'est comme ça que j'ai entamé mon avis, cet avis de livre. Mais je le termine de la même façon. C'est une autrice que j'apprécie beaucoup, et il faut que je continue à découvrir ses livres. Donc peut-être La plage de la mariée, parce que la couverture, elle était trop belle. Je vais voir. Voilà, donc ça, c'était Ceux qui voulaient voir la mer de Clarisse Sabar chez Charleston. Je continue avec Deux gouttes d'eau de Jacques Expert chez Livre de Poche. Je crois que la couverture n'est plus tout à fait comme ça maintenant, mais il me semble bien que c'est le plus vieux livre de ma palle. Enfin, c'était.
parce que maintenant il est lu. Alors quel est le nouveau plus vieux livre? Oh, je ne saurais pas vous dire. Je ne saurais pas vous dire, il faudrait que je les regarde tous un par un et que je me questionne. Mais je sais pas, globalement, ma palle est assez récente et elle tourne bien, mais elle ne maigrit pas, elle ne rétrécit pas, mais elle tourne. Voilà. c'est positif quand même. Donc je crois que c'est l'un des plus anciens livres que j'avais. En fait, j'avais souvenir à me donner d'avoir acheté deux thrillers. Je crois que ma grande devait être petite. et c'est quelque chose que j'aimais bien faire à la Fnac Saint-Lazare. Je travaillais pas très loin, il y avait un super beau rayon thriller. Mais ils ont changé tous les rayons et du coup, moi, j'ai perdu ce côté, enfin, tous mes souvenirs, en fait, des différents rayons. Et donc, là, en tout cas, il me semble bien que j'avais acheté deux thrillers et celui-ci, il me semble bien que j'avais commencé à lire en étant chez le coiffeur et que je ne l'avais pas terminé. Voilà, donc je pense même que plus qu'un livre dans ma palle, c'était peut-être même un livre commencé et jamais terminé. Mais par manque de concentration et tout, puis j'avais dû prendre autre chose après. Enfin, ouais. Voilà. Des choses des fois qui m'arrivaient. J'ai des livres comme ça, pareil, que j'avais acheté au lycée. Alors, j'avais acheté un livre d'Annie Ernaux au lycée et je l'ai jamais lu. Donc après, bah, je l'ai rangé derrière. Alors, c'est peut-être celui-ci, en fait, mon plus ancien livre de ma palle, parce que au final, au bout d'un moment, il est passé dans les livres lus alors que je ne l'avais pas lu, quoi. Je ne le vois pas d'ici. De mémoire, c'est Journal du Dehors. Et puis, j'ai aussi des livres de Christian Bobin, de la même façon acheté au lycée. Donc, lui, c'était un peu ça. Puis là, comme j'étais repartie dans les rangements de mes bibliothèques et tout, j'étais repassée par celui-ci. Puis je me disais, bah oui, mais c'est vrai qu'en fait, je ne l'ai jamais lu. Et en même temps, Jacques Expert, je le vois pas mal passer sur les réseaux et tout. Donc, j'avais envie d'y aller, d'essayer, de découvrir l'auteur. Et puis, oui, c'est un auteur qui a l'air d'avoir beaucoup de succès, qui est là depuis un moment. Et voilà, il fallait que je me bouge et que moi aussi, je le découvre avec donc celui-ci de gouttes d'eau que j'avais dans ma palle. Longue introduction. Alors, de gouttes d'eau. C'est une histoire qui remue, mais pas dans le sens c'est émouvant, etc. Parce que ça, je vais vous dire ça pour tous les livres, en fait. Ce sont des livres qui remuent. Et là, c'est plutôt que ça retourne le cerveau, en fait. J'ai lu ce livre. Alors, je ne l'ai pas lu aussi rapidement que ce que je voulais parce que j'étais assez prise. Mais en fait, dès que je me mettais dans la lecture, enfin, si vous voulez, les plages de lecture que j'ai eues étaient très efficaces. Je tournais vite les pages, j'étais vraiment bien dedans. Mais il y a eu des plages de lecture courtes sur plusieurs jours. Au bout d'un moment, je l'ai fini quand même. J'ai été un peu plus disponible et ça a été. Là, en fait, on se retrouve avec le meurtre d'une jeune femme à Boulogne en plus. Donc voilà, ça me parle comme ville. Et en fait, voilà, on enquête sur ce meurtre. Tout de suite, on pense à son petit ami du moment qui s'appelle Antoine. Et donc, on fait la connaissance d'Antoine, on fouille un peu dans le passé d'Antoine, on fouille un peu dans la famille d'Antoine. Et oh, Antoine a un frère jumeau, Franck. Alors bon, on pourrait se dire un frère jumeau, très bien. Oui, mais c'est plus que ça en fait. il est plus que jumeau, c'est-à-dire qu'ils sont totalement identiques. Identique, il n'y a rien, il n'y a pas un signe distinctif, il n'y a rien du tout. C'est impossible de les différencier. Et en fait, bon, j'allais vous dire des choses qui allaient vous donner le dénouement, donc je ne vais pas dire ça. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que, on peut se poser plein de questions sur ces deux personnages. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va suivre l'enquête, mais en parallèle, on va remonter dans le passé de ces deux frères. Ces deux jumeaux très 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 semblables et voilà, on va remonter comme ça petit à petit, donc les parents, leur naissance, leur enfance, etc. Puis tout au long du livre, on continue de cette façon-là à remonter. Alors ce sont des chapitres qui sont écrits en italique, ce qui est assez assez rigolo, je trouve. Ça permet de bien distinguer. Alors, il n'y a pas un petit en-tête
pour préciser, oui, c'est telle période ou je sais pas quoi, mais voilà, c'est juste comme ça, signalé par des petits chapitres en italique, alors qui sont courts au début, puis qui se rallongent au fur et à mesure de la lecture. En parallèle, on a donc cette fameuse enquête, et cette enquête, elle est menée par Laforge, qui voilà, le chef, celui qui s'occupe de l'enquête, il s'appuie sur son équipe, et au début, il est extrêmement antipathique. Vraiment, un côté un peu autoritaire. Je le trouve fortement inspiré d'un personnage politique, voire ancien personnage politique, extrêmement autoritaire. Il aime pas, enfin, même caricaturé, je vais plutôt dire, d'un personnage politique. Il aime pas qu'on le contredise. Avec ce côté assez personnalité assez forte et tout ça, et même s'il a tort, il a raison. Enfin, c'est pas le style de personnage que j'aime bien. Moi, je vous ai déjà dit, j'adore le personnage de Servaz, Martin Servaz chez Minier. C'est l'opposé de ce que je viens de vous décrire. C'est quelqu'un qui admet avoir tort, qui se remet en question. Voilà, tous ces trucs-là. Donc, bon. C'est pas trop ça. Et puis en fait, petit à petit, on s'attache à lui parce qu'on nous l'a décrit d'une façon voilà, et on le déteste. Puis en fait, on se dit, oh, voilà, il est comme ça, il est dans sa boîte quelque part, il n'en sort pas et tout. Puis après, on s'aperçoit qu'il a des fois des comportements, des réactions, des pensées qui vont pas avec l'image qu'on a pu s'en faire. Et du coup, petit à petit, il devient comme ça, attachant. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans le livre, c'est que, alors il devient attachant, il sort de sa boîte, du cadre qu'on a imaginé, enfin, en tout cas de sa personnalité qu'on a pu imaginer. Malgré tout, il y a quand même des choses qui sont en accord avec la façon dont on l'a décrit tout au début, hein, où il est un peu cash, etc. Et en fait, on va aussi suivre des personnages de son équipe. Et j'ai bien aimé ça parce que, on a toujours l'impression que c'est très simple, l'organisation entre le chef, il décide qui fait quoi, gna gna, et chaque personne va travailler sur ça, et puis après, les interactions, elles se font naturellement, etc. Ben, c'est pas toujours, c'est pas naturel en fait. Il y a bien une organisation quelque part, et quand il y a des affaires qui arrivent, comment on les dispatche, et bon, il y a quand même quelques questions. Et là, on le voit ça. On voit ce côté où on a Laforge qui va parler de tout ça à son adjoint. L'adjoint, il va déléguer certains trucs à l'équipe. Et puis, voilà, on voit quelque part les décisions qui sont transmises de N-1 en N-1. Enfin, voilà, au niveau hiérarchique, ça redescend au plus petit, entre guillemets. Enfin, et donc, on voit comment c'est redescendu, on voit comment c'est organisé, on voit comment une décision ou une demande sur un sujet est un peu modifiée, etc. Enfin, par les besoins, mais avec un côté un peu manipulation. Enfin, je trouve que c'est extrêmement bien décrit. Alors, c'est extrêmement bien décrit. Enfin, j'imagine, je travaille pas dans le milieu, mais en tout cas, c'est bien que ce soit écrit. C'est bien qu'on puisse voir cette partie-là. Voilà, c'est pas quand il y a une énorme affaire, un énorme truc et qu'il faut réagir comme ça hyper vite. Je pense que des fois, le chef donne quand même quelques instructions pour que tout le monde aille dans le même sens, en tout cas dans le sens dans lequel le chef souhaite que ça aille, en fait. Et ça, on le voit pas toujours. Donc là, voilà, j'ai bien aimé ce côté organisation. J'ai bien aimé le dénouement. Bon, j'aurais peut-être préféré un petit peu autre chose, mais j'ai quand même bien aimé. J'ai été surprise par la fin. Et puis, j'ai bien aimé parce que derrière, enfin, on voit aussi les personnages, d'autres personnages sur ce dénouement. Enfin, bon, bref, ça m'a plu. Mais vraiment, ce que je retiens du livre, c'est à quel point ça m'a retourné le cerveau. À quel point j'ai passé du temps à me dire, mais c'est qui en fait? C'est quel frère? Parce que c'est le jeu aussi, ils se ressemblent tellement. On en voit un dans une caméra de surveillance. Il y en a un qui apporte un alibi. Le second frère est auditionné. Il arrive, il apporte exactement le même alibi. On voit des vidéos. Lequel est-ce? Ils se ressemblent tellement. Voilà. Et puis c'est comme ça tout le temps. Et donc quand on suit les enquêteurs, il y a presque certains sont contre Antoine et d'autres sont
contre Franck. Et nous, on est là en train de démêler le vrai du faux et puis à être tenté de se faire un peu amadouer par l'équipe contre Franck ou contre Antoine. Les arguments sont assez convaincants dans chaque équipe. Et voilà, ça j'ai bien aimé. Donc c'est mon premier Jacques Expert, ce sera pas le dernier, ça c'est sûr. J'ai bien aimé cette écriture et voilà, vraiment bien bien prenant. Et un sacré bon thriller psychologique avec deux gouttes d'eau. Je continue avec L'indifférence de l'eau qui dort de Valentine Stergan chez Charleston. Et cette couverture, je ne m'en lasse pas, que ce soit les motifs, que ce soit les couleurs, que ce soit la police de caractère utilisée. J'adore, voilà. Alors la police de caractère, c'est la police de caractère Charleston, mais cette couverture, les couleurs me parlent. Faut que je fasse gaffe parce que moi qui ai toujours été, qui ai toujours adoré le vert, je commence à dévier vers le bleu. Vraiment superbe couverture. Mais bref, on va pas parler que de ça, on va parler du contenu du livre. Donc c'est le livre qui a remporté le prix romantique, le dernier prix romantique. Et je comprends pourquoi. Et j'ai bien aimé. Et pour moi, c'était une découverte de l'autrice qui a écrit Les ours mal léchés. Ça a pris... Non, mais en fait, c'est pas vrai. C'est pas une découverte. Parce qu'en fait, Les ours mal léchés à Noël, je l'ai lu. J'avais vu d'autres livres d'elle sur passé, mais ce livre-là, je l'ai lu. Ça me dit quelque chose chez Hugo. Je l'ai lu, mais oui, ah là, je n'avais même pas fait le lien. Je n'avais pas du tout fait le lien. Est-ce qu'il y a faire le focus? Mais oui, c'est vrai. Ah, c'est marrant ça. Eh bien, c'est bien. Écoutez, pourtant, je prépare, hein, je prends des notes là pour préparer mes vidéos, mais j'arrive à me surprendre moi-même. Maîtresse en maternelle le jour et autrice de romances la nuit. Valentine Stergan puise son inspiration dans la vie de tous les jours et note les anecdotes croustillantes de son entourage. Bretonne, pur beurre, l'air de la mer, la ressource et la pèse. Donc c'est bien parce que ça fait vraiment le lien avec cette fameuse couverture. Voilà. Mais là, il n'y a pas d'autres livres qu'elle a pu écrire. Bon, bah, en tout cas, ceux que moi j'avais vu passer, je ne les avais pas lus. Donc c'est absolument pas une découverte de l'autrice en tout cas. C'est une des retrouvailles avec l'autrice. On efface les minutes d'avant, hein. Et je crois que j'avais bien aimé en plus. Donc, bref, ce n'est pas une découverte de l'autrice, mais c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai dévoré. Je l'ai lu en un après-midi. J'ai bien aimé parce qu'il y avait des sujets vraiment sérieux, des sujets même lourds et tout ça. Et en plus, il y avait de l'humour, il y avait des petites pointes d'humour, il y avait des petits, des petites choses, même des petits clins d'œil pour le lecteur quelque part. Et c'était mis en italique. Alors, je ne sais pas si vous allez voir par là, je crois. Donc en fait, là, par exemple, c'est mis « Je pensais bêtement que lui donner naissance à l'aube de mes 20 ans ne me filerait pas l'impression d'être un vieux machin décrépit. Lorsqu'il atteindrait l'adolescence, hélas, c'est le cas. » Phrase en italique, juste en dessous. « Il a déjà 16 ans et je suis un vieux machin décrépit. » Et en fait, ça a été comme ça à plusieurs reprises avec ces fameuses petites phrases en italique. Donc, histoire racontée à la première personne. Donc ça, moi, j'aime bien. C'est vraiment immersif. Avec ce côté où justement des petits clins d'œil, des petites touches d'humour, où le lecteur est vite pris dans l'histoire de cette façon-là. Donc ça, j'ai bien aimé. On a une relation mère et ado. Donc là, le personnage qu'on suit, c'est Faustine. Et Faustine, elle a donc son fils Tristan qui est ado. Et j'ai bien aimé leur relation. En fait, je fais souvent attention à ça parce que je suis tombée sur un livre que j'ai abandonné il n'y a pas très longtemps. Alors ça peut être mère adolescent ou mère adolescente. Et j'ai pas du tout accroché en fait. J'ai pas du tout accroché. Ça m'a agacée. Ça m'a fortement agacée. En fait, globalement, ça m'agace quand dans un livre, on va trouver que l'ado mène le parent par le bout du nez et que le parent, il sait plus comment faire pour ramper au pied de son ado. Alors,
Bon, j'ai déjà parlé d'un truc avec une autrice. Alors, c'était pas sur ça, c'était plutôt sur un autre sujet. Mais enfin, on reste sur la relation mère-ado. Mais c'était sur autre chose que l'éducation. Enfin, oh, quoi que non, c'était pas si éloigné que ça. Mais et du coup, l'autrice m'avait dit, mais tes enfants sont pas ados. Tu verras quand ils le seront et tu te rends pas compte de ce qui va t'arriver en fait. Je dis ok, mais personnellement j'ai été ado et j'ai jamais fait ça. Même mon frère et ma soeur n'ont jamais fait ça. Et donc voilà, je sais pas trop quoi en penser. Ce qui fait que parfois on a des sortes de dérives ou des sortes de l'ado tout puissant. Et moi je coince en fait. Je coince sur ça parce que quand l'ado il parle mal à sa mère une fois, deux fois, trois fois, quand il fait n'importe quoi, quand c'est totalement irresponsable et que la mère, elle dit rien, j'ai envie de lui dire, mais il y a des règles à respecter. Si vous êtes une famille, tout le monde doit suivre les règles pour vivre ensemble. Enfin, voilà, je suis en colère, en fait. Et justement, j'ai abandonné un livre de colère par rapport à ça. Donc, je suis toujours... Je sais que ça peut faire partie des sujets sur lesquels je suis un peu sensible. Alors, peut-être parce que ma grande arrive doucement vers l'adolescence aussi. C'est possible. Oui, elle va des fois s'énerver. Bon, on va pas lui dire ok, c'est bien, énerve-toi, on va pas l'applaudir, on va pas dire mais bien sûr tu as raison, si elle a tort, elle a tort. Si elle a raison et qu'on a tort, on le dit aussi. Mais voilà. Bref, sujet un petit peu sensible, donc voilà, je suis toujours assez attentive à ça, et bien là, j'ai bien aimé. Alors, après, c'est particulier, voilà, Faustine, elle est arrivée seule dans une ville, elle était enceinte de 8 mois, elle avait son fils à élever, donc il y a des petites choses, des fois, l'ado, il n'est pas toujours Tristan, il n'est pas toujours hyper sympathique non plus, mais enfin, globalement, j'ai bien aimé comment... Comment, enfin, ses réflexions, ce qu'elle pouvait répondre. Alors, elle n'était pas, comme je vous dis, un peu comme moi, de non, mais c'est bon, ça suffit, quoi. Enfin, redescends un peu de ton piédestal. C'est bon, hein. Voilà. Elle n'était pas à ce point-là non plus. Et peut-être que j'ai tort aussi, hein, mes réactions manquent de bienveillance. Mais je trouve que le respect de chacun, y compris dans la famille, c'est important. Bon, bref, mais ça j'ai bien aimé. Voilà, donc je vous dis, je suis sensible sur le sujet, mais là, c'est bon, ça l'a fait. Ouf, je n'ai pas abandonné le livre pour cette raison. Mais comme je vous dis, je l'ai plutôt dévoré. Je me suis vraiment attachée au personnage et en fait, c'est pas une histoire autour de Faustine et de son fils, ce n'est pas que ça. C'est une histoire aussi avec le voisin, l'ancien voisin de Faustine qui s'appelle Georges, qui est décédé. Et en fait, Faustine était assez attachée à Georges. C'est notamment, enfin, il a été très bienveillant à l'arrivée de Faustine lorsqu'elle était enceinte. Il a été aussi très bienveillant avec Tristan. Et en fait, voilà, Tristan, il a pas son papa. Et Georges a été une figure masculine dans la vie de Tristan et qui a beaucoup compté pour lui. Et donc, Georges disparaît. Et il y avait personne, en fait, à son enterrement. Enfin, c'était extrêmement triste. Et ça a beaucoup titillé Faustine de voir quelqu'un... elle était attachée à lui. Et de voir qu'il finit seul comme ça, ça l'a beaucoup... travailler, ému, enfin, elle tente d'aller chez Georges, plus ou moins légalement, et elle est fouillée un peu chez lui parce qu'elle n'arrive pas à baisser les bras en fait, elle n'arrive pas à se dire il y a personne, il a des cousins éloignés, la maison ira à ses cousins-là, elle n'arrive pas à laisser comme ça, elle tenait trop à lui. Elle va fouiller, elle va trouver quelque chose. Enfin, en l'occurrence, c'est même le fils qui va trouver quelque chose qui n'était pas pour tout ça. Et puis, petit à petit, ils vont partir en Angleterre. Alors là, de la même façon, le Tristan, là, bon, il a fait une petite réflexion à sa mère, disant que elle partait comme ça sur un coup de tête, que c'était n'importe quoi. Mais bon, bref, faut voir après les choses dans leur contexte aussi. Et non pas qu'il ait raison, hein, mais... Ça s'est pas terminé de cette façon-là.
Et donc on part, bah, nous aussi, en Angleterre, on se retrouve avec la découverte de certains personnages, et puis bah, on va voir si oui ou non, George a une autre famille. Et moi j'ai bien aimé en fait, j'ai bien aimé, alors j'ai bien aimé le dénouement, qui est moderne. Alors c'est peut-être pas le dénouement idéal que j'aurais imaginé, etc. Mais j'ai bien aimé parce que je m'y attendais pas et je l'ai trouvé moderne comme je vous dis. Donc ça c'était bien. On est sur une belle histoire, un beau livre. C'était globalement émouvant, mais peut-être moins que d'autres livres que je peux lire de ce style-là. Voilà. Donc émouvant, mais moi c'est pas ce que je retiendrai. Principalement, mais moi c'est vraiment enfin ces histoires de personnages. Je suis partie à l'aventure, je les ai suivis, ces secrets qu'on veut connaître. Et puis, enfin, moi j'étais bien, voilà, j'étais vraiment bien dans ce livre. L'indifférence de l'eau qui dort, c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup plu. Et bah écoutez, faut que je voie les autres livres de l'autrice que je n'ai pas lu, puisque j'en ai déjà lu deux d'elle et je ne le savais pas. Donc je vais regarder ça parce que je voilà, j'aime bien son écriture, j'aime bien ce qu'elle écrit et c'était très chouette. Voilà. Et je termine avec La faiseuse d'étoiles de Mélissa d'Acosta. Chez Livre de Poche et donc ce livre eh bien, est en soutien à l'UNICEF et aux enfants du monde et donc un livre acheté égale 7 barres d'alimentation d'urgence. Voilà. Alors ce livre, c'est un livre un petit peu surprise pour moi parce que Mélissa d'Acosta, ça fait un petit moment que je lis ses livres. Alors je l'ai découverte lorsque Les Lendemains est sorti chez Livre de Poche. C'est William de chez Livre de Poche qui me l'avait envoyé en me disant, je te laisse découvrir Mélissa d'Acosta, tu vas aimer. Voilà. Et donc bah, j'ai bien aimé. Je crois qu'il m'avait envoyé en même temps Tout le bleu du ciel. Et donc j'ai découvert Les Lendemains. J'ai adoré. Ensuite, j'ai lu Tout le bleu du ciel. Et puis, j'ai lu. Je ne me rappellerai pas de. Alors, est-ce que j'ai. J'ai peur d'écorcher les titres. Hop, j'ai lu après Je revenais des autres. J'ai lu après Les douleurs fantômes. La doublure. Les femmes du bout du monde. Et donc, bah, maintenant, en fait, quand Mélissa d'Acosta sort un livre. Mais ça date même depuis Je revenais des autres. Quand elle sort un livre, j'attends avec impatience. Limite, je me le suis noté quelque part et tout. J'ai la date de sortie en tête. Et voilà, j'ai hâte et tout ça. Je suis ça. Enfin, je veux pas dire que je fais un décompte, mais pas loin. Bon, voilà, il y a une petite organisation et tout. Enfin, j'adore. Là, avoir un livre comme ça de Mélissa d'Acosta sorti chez Livre de Poche en inédit, hein, il n'est pas passé par la case Albin Michel avant, je m'y attendais tellement pas. Puis j'ai commencé à le voir sur les réseaux sociaux, enfin sur Instagram principalement, puis le voir, le voir, le voir, puis des avis positifs, positifs. Voilà, donc il fallait que je le lise. Donc je l'ai acheté, je l'ai posé un peu dans ma palle, et comme c'est un livre très court, je cherchais le bon moment. Parce que je voulais le lire bah, entre deux lectures quelque part. Et voilà, enfin, j'ai attendu un peu le bon moment. Je ne me suis pas précipitée dessus. En même temps, il est sorti il y a. Enfin, je l'ai lu il y a moins d'un mois après la sortie. Hein, mais voilà. Donc, livre court parce qu'il fait 181 pages. Donc, vraiment pas long du tout. Et donc, j'y suis allée sans attendre. Tente particulière. J'ai pas lu la quatrième de couverture. De toute façon, c'est Mélissa d'Acosta. Alors, j'ai pas adoré tous ses livres. Il y en a que j'ai un peu moins aimé que d'autres. Mais en même temps, Mélissa d'Acosta, elle écrit sur tellement de sujets. Elle écrit de façon différente. Enfin, bon, j'aime son écriture, ça c'est sûr. Mais ce serait difficile de définir le style Mélissa d'Acosta. Parce qu'il y a beaucoup de sujets différents, beaucoup de styles différents, enfin, et elle a une sacrée richesse en fait par rapport à ça. Enfin, c'est assez fort, assez puissant, et c'est l'une de ses forces, je trouve. Et donc, ce qui fait bah, que forcément, il y a des fois, moi j'adore, et des fois, j'aime un petit peu moins. Mais globalement, j'aime quand même beaucoup. Mais alors, celui-ci, je l'ai adoré, mais.
Je me demande si c'est pas mon nouveau préféré hein, à ce point-là. Avant, c'était Les Lendemains parce que ça a été pour moi la découverte de l'autrice. Maintenant, je ne sais pas. Peut-être celui-ci quand même. Et donc, je l'ai dévoré. Je connaissais, je savais pas de quoi l'histoire parlait, j'en savais rien, je voulais pas le savoir. Ce que j'ai vu beaucoup passer, c'est il te faudra des mouchoirs. Voilà, quand j'ai dit que je l'avais acheté, c'est ah bah je l'ai lu, prépare bien tes mouchoirs. Ah bah tu vas vraiment pleurer. Ah bah voilà. Donc ça, moi, à chaque fois, je me dis oui, enfin bon, ok, je vais avoir envie de pleurer, je vais serrer les dents, puis voilà, ça a passé. Je sais faire passer les émotions, faire comme si de rien n'était. Ok, je pleure très rarement pour un livre. Je peux vous en citer deux où j'ai pleuré, mais non, non, ok, il faut sortir les mouchoirs, mais pour les autres, pas pour moi. Oh bah dis donc. J'ai serré les dents plusieurs fois et à la fin du livre, voilà. Très très beau, vraiment très très beau. Dans ce livre, en fait, on va suivre un petit garçon. C'est un petit garçon qui raconte l'histoire. Et on est justement, encore une fois, sur quelque chose de très puissant. Parce que Mélissa d'Acosta nous fait croire que un petit garçon nous raconte une histoire qu'elle a inventée. Et on y croit. C'est tellement. Il y a tellement de petits clins d'œil, de petits. Enfin, c'est tellement enfantin, justement. Et on oublie, enfin, des choses. Comment ça fonctionne dans la tête d'un enfant? On lui dit des choses, alors parfois des choses de grand qu'il comprend pas très bien. Comment il interprète ça? Comment il essaye de faire rentrer ça avec ses propres codes, ses propres croyances et tout. Voilà. Et donc en fait, ce petit garçon, eh bien, il voit que dans sa famille, que son papa, sa maman sont pris par des sujets. Et en fait, sa maman va lui raconter petit à petit une histoire et lui expliquer que voilà, elle va partir en mission sur une planète. Et elle va partir pendant un moment et faudra que quelque part, faudra pas qu'il soit triste, que ça va être une très belle mission pour elle. Et du coup, bah, elle va imaginer avec lui tout ce que c'est cette mission, tout ce qu'elle va devoir emmener pour cette mission, et qu'est-ce qu'elle va trouver là-bas. Voilà. Donc elle l'intègre vraiment dans ce truc-là. Et puis, par moment, bah, il la sent un peu fatiguée, un peu. Et elle s'absente, des fois 2 jours comme ça. Elle revient à nouveau fatiguée, mais bon, elle lui explique qu'elle part pour préparer justement son voyage. Voilà. Bon, petit à petit, enfin, petit à petit, même assez vite, on comprend ce qui se passe. On comprend ce qui se passe. On comprend ce que la mère vit, sans qu'il y ait jamais de mots, hein, quand même. Hein, on comprend ce que la mère vit, on voit tout ce qu'elle construit pour protéger son enfant, tout ce qu'elle construit dans l'imaginaire, enfin. Hein, et donc, il y a pas mal de questions qui se posent sur jusqu'où on est prêt à aller pour protéger nos enfants. Qu'est-ce qu'on est prêt à leur raconter pour protéger nos enfants? Bien sûr, il y a des choses qu'on leur raconte. Alors parfois, je ne vais pas rentrer dans les détails si jamais vous avez des enfants chez vous qui peuvent entendre cette vidéo, mais parfois on leur raconte des choses, on leur fait croire certaines choses. Voilà, on trouve que c'est beau. J'ai déjà rencontré des parents qui étaient contre faire croire tout ça à leurs enfants, parce que pour eux, c'était déjà du mensonge. Et en même temps, ça fait partie de la magie. Donc, voilà, il y a toutes ces réflexions-là, mais là, on est bien au-delà de ça. On est vraiment bien au-delà. Ça va très loin, ça va très très loin. Et en fait, en parallèle, on suit ce fameux petit garçon qui s'appelle Arthur. On le suit adulte. Et on voit ce qu'il est devenu et comment il a géré les choses après coup. Bah, il n'a pas très bien digéré le truc. Hein. On m'a raconté ça, on m'a fait croire que ma mère elle partait sur Uranus. C'est n'importe quoi, en fait. Et donc, il en veut aux personnes qui restent. Puis qu'on contribue à ça. Parce qu'en fait, tout le monde a marché dans la combine quelque part. Hein. Tout le monde a joué le jeu. En même temps, c'était la volonté de la maman qu'elle ait pu être là. Enfin, je sais pas. Moi, ça fait poser tellement de questions. Voilà, ça fait poser beaucoup de questions. Et donc, on est dans cette relation-là. Donc, on suit principalement Arthur petit, tout ce que sa maman lui dit. Puis, de temps en temps, on voit Arthur plus grand, mais vraiment par petites touches.
Et j'ai énormément aimé la fin. J'ai trouvé la fin très belle. Je vais pas dire que c'était une petite morale, une petite. Mais c'est une belle conclusion qui peut pas refermer la porte des réflexions qu'on a pu avoir non plus tout au long de la lecture, mais c'est une belle conclusion, j'ai trouvé. Voilà, c'est une magnifique histoire et une très difficile histoire. Effectivement, c'est dur, émotionnellement, c'est dur. Mélissa d'Acosta joue beaucoup avec nos émotions. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en même temps, voilà, c'est un coup de cœur. L'écriture, elle est parfaite. On peut que le dévorer. Vous avez 2 heures devant vous, même pas 2 heures. Vous prenez ce livre et voilà, vous allez le lire et vous allez complètement retourner. Et c'est incroyable. 180 pages. Ouais, 180 pages et ça remue à ce point. Ça fait poser quelques questions quand même. Mélissa d'Acosta a un sacré pouvoir. Et puis oui, sujet différent, c'est pas la même chose que ce qu'elle peut écrire. Donc voilà, vraiment, vraiment magnifique. Magnifique, ça remue et chapeau, 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 chapeau. Je peux rien vous dire d'autre, mis à part allez-y. En plus, voilà, c'est pour l'UNICEF. Donc c'est en plus de ça une bonne action et vous allez être complètement retourné. Et ça vous fera forcément vous poser des questions. Mais pas que. Enfin, voilà. Je vais vous dire tout le temps la même chose. Faut que j'arrête. C'est un coup de cœur. Voilà, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur. Il est magnifique. Je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, voilà, c'était vraiment des très bonnes lectures que je vous conseille. Et si vous en avez lu, n'hésitez pas à me dire lesquelles, ce que vous en avez pensé. Si vous en avez d'autres à me conseiller, notamment de Valentine Stergan, puisque apparemment j'aime beaucoup cette autrice pour en avoir déjà lu deux. Ce que je ne savais pas, si vous me conseillez d'autres livres de Jacques Expert et tout et tout et tout. Et les Clarisse Tabar dont je vous parlais aussi, donc La plage de la mariée, Le jardin de l'oubli, Ils m'attendent dans ma pale. Quand je vous dis plutôt tentée par La plage de la mariée, parce que la couverture elle est trop belle, mais si vous avez lu les deux, j'ai bien envie d'avoir vos petits conseils. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, vous pouvez mettre un petit commentaire, partager sur les réseaux sociaux. Ça me fera toujours plaisir. Et puis voilà, ça permettra de faire connaître aussi peut-être mes vidéos. Moi, je vous retrouve très vite. À bientôt.